Ils ont déplacé toute la décharge ici, en plein cœur de New York. Et personne n'a rien vu. C'est complètement ouf. Thank you.
vais fouiller ce labo. D'aujourd'hui. Je mets en place un nouveau département. La recherche dimensionnelle dans le secteur de recherche. J'y transfère le projecteur de diapo. C'est là que je travaillerai désormais. Le site d'Ordinary reste tel quel. Nous reviendrons... Je ne sais pas quand. Darling a emporté le projecteur dans le secteur de recherche. Il a créé là-bas une toute nouvelle zone pour ça, donc il savait que c'était important. Recherche dimensionnelle. C'est notre prochaine étape.
Métrologue, j'ai commencé dans un complexe en Ohio. Un jour, ils m'ont convoqué dans un bureau. Je croyais que j'avais des ennuis. C'était peut-être le cas. Il faut les protocoles de confinement pour chaque objet altéré ou objet de pouvoir. J'ai trouvé ce jeton. Une idée de son utilité? Ça, c'est un jeton du jukebox. Ces petits salopards apparaissent un peu partout sans prévenir. Les soldats les utilisent pour activer un vieil objet de pouvoir. Le jukebox, j'imagine. Est-ce qu'il a des bonnes chansons? Non, il a qu'un seul morceau. Mais soyez prudente si vous voulez l'activer. Quand il joue, on est envoyé direct à la formation. La formation? Oh, ça a l'air sinistre. Et pourquoi là-bas? Le bureau se le demande depuis des années. C'est juste un amas de cailloux bâti par Dieu sait qui, mais les chercheurs ont confirmé qu'il s'agissait de la même lisière que la carrière. Mais personne n'a pu relever de route physique entre la maintenance et la formation. Donc c'est dans la carrière, mais personne ne sait où. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus que des expéditions annuelles dans la formation, désormais. Des vérifs, comme dit Salvador. L'équipe de cette année est partie le jour de l'arrivée du Hiss. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la chanson aurait dû les ramener il y a des heures. Je peux y aller et jeter un œil. Ce serait super. Le jukebox est situé derrière le poste de sécurité, là-bas. Glissez-y le jeton et profitez du voyage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le docteur Darling ? Autant que n'importe qui d'autre, j'imagine. Chef de la recherche, adore s'écouter parler, comme absolument toutes les blouses blanches. Entre nous, il est devenu un peu taré récemment, même si les RH m'ont demandé de pas utiliser ce mot. Hein? Tout le monde pense que trouver Darling nous donnera les réponses, mais s'il a vraiment perdu la boule, comment est-ce qu'il pourrait nous aider? C'est quoi cette histoire de pierre noire? Ah putain, ne me lancez pas sur la pierre noire. Vous savez, depuis que la recherche a découvert qu'elle bloquait les effets paranaturels, ils n'ont pas arrêté de transporter des matières dangereuses autour de la carrière. Putain de blouse blanche. Ils adorent me compliquer la tâche. On dirait que c'est plutôt tendu entre les départements. Mais au moins, le ciel étoilé, la nuit dans la carrière... Pff, super, hein. Salvador et moi, on allait souvent y boire des bières après le boulot. Vous êtes la sécurité, non? Et vous travaillez souvent avec les soldats? Non, pas tellement. Les soldats sont entraînés aux reconnaissances dans la lisière et aux missions relatives aux EAM. La sécurité s'occupe plus des dangers à l'intérieur du bureau. Il doit y avoir des trucs bizarres là-bas. Ouais, carrément. Toutes les semaines, ils assistent à des choses qu'aucun autre humain n'a pu voir. La plupart des soldats finissent par partir pour cause d'effondrement cognitif. J'ai regardé la définition médicale, c'est dur, hein. Comment est-ce que le bureau gère les lisières ? Gérer, c'est peut-être un terme un peu fort pour ce qu'elle fait, hein? Marshall envoie des soldats pour cartographier, vérifier la croissance et les épicentres, prélever les échantillons, mesurer des choses. Elle fait le ménage, quoi. Elle a bien révisé sa leçon, on dirait. Dans la maintenance, on utilise les lisières comme n'importe quel autre outil. Les blouses blanches extraient de la pierre noire par ici, et la maintenance siphonne de l'eau par là. On l'utilise pour à peu près tout, sauf pour boire. Vous ne le buvez pas? J'ai vraiment envie de savoir. Souvent, on retrouve des petits morceaux dedans. C'est plutôt dégueu, hein. Je voulais pas savoir. Vous pensez quoi de Marshall? Marshall? C'est une dure de chez Durell, hein. Les soldats n'auraient pas pu trouver meilleur chef. Elle est peut-être un peu directe, mais étant donné tout ce qu'elle a vu, c'est pas surprenant. Elle a une fâcheuse tendance à disparaître, par contre. Où est-ce qu'elle va? Lors de sa dernière disparition, j'ai fouillé dans les registres de sécurité. Une caméra l'a filmée alors qu'elle entrait dans la carrière.
Elle y est restée pendant des jours, toute seule. Normalement, c'est interdit, mais Marshall, elle est au-dessus du règlement, hein. Je me demande ce qu'elle trouve de si intéressant dans la carrière. Je dois y aller. Ouais, moi aussi. Vous êtes pas la seule à être occupée, vous savez.
Marshall m'a pas donné d'ordre avant de partir. Bon, j'avais l'inventaire alors. Bonne chance dehors. L'obscurité a envahi l'ascenseur. Il y avait quelque chose ici. Essayons de l'atteindre. Pour pousser Faden à l'action. Comme un appel à l'aide. Faden vit l'image d'un homme qui se noyait. Une résonance dans les ténèbres. Le secteur des enquêtes. Le secteur des enquêtes, hein? Autant aller jeter un œil. Bonjour. Une chance dehors.
sale dans cet endroit. On doit trouver Hati. Où est-il ? Et celui-là parti, Annick Totti. L'assistant de moi continue et travaille pour que tout marche bien. L'homme, il est lamps, vacances, humps. Comment quelqu'un peut-il partir alors que le bâtiment est scellé ? Et en vacances, en plus. Ah!
C'est quoi? Ma vieille ennemie, bouchon, cloque les tuyaux. Tu dois arranger pour elle. Oui, très malin. Essaie. Grand nuage. Thank you.
hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa, pohjoisittain eli Akelen päivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä. Eteläosa 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli tällä aikaa. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Kotka rannikko, 16 asetta, kyytä, kutua, näkyvyys, 20. Kalvoida front 15, 20. Helsinki Katajoluoto 18, Etelä-Kaakko 4, kutua, 20. Vokassään 17, Kaakko 3, melkein selkeä, 20. Russarö 18, tyyntä, pilvistä, 20. Risma 16, etelä 5, puolipilvistä, 20.
Il y a quelque chose devant. Tu le vois? Toi, pour un film, vacances, sacré bergel. Ati? J'ai manqué toi. Pipi dessus. Oui. Non, juste des mots. C'est mon travail. Prends le lecteur cassette de moi. Je peux l'emprunter. La chanson est cadeau d'amis de moi pour toi. C'est pour aller dans le labyrinthe pour faire le travail de toi. Est-ce que ça c'est vrai? Évidemment. Il m'a donné son lecteur de cassette. Ça m'aidera pour le labyrinthe, hein? Le concierge a toujours les clés.
Thank you.
Génial. Projecteur. Expédition dans la diapositive 36. Ce que Darling a rapporté. Tout changé. Ordinary doit s'y finir. Toi, moi, Dylan. Retour à la case départ.